Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter cette nouvelle vidéo en français sur Flight Simulator 2020. J'espère avant tout que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux et que vous passez de bons vols sur le simulateur. Pour ma part, tout va bien et je suis vraiment content de vous retrouver parce que cette vidéo, vous allez le voir, va être très succincte et rapide concernant Nvidia GeForce Experience et notamment sur l'application de filtres visuels pour enrichir votre expérience visuelle sur le simulateur et notamment sur la qualité d'image, ce qui permet de diversifier votre rendu sur FS 2020. Donc j'espère que ça vous plaira et que ça vous sera utile. Et puis surtout, merci pour votre précieux soutien jusqu'à maintenant. Ça me fait vraiment très plaisir. Je suis heureux de pouvoir partager avec vous notre passion commune, l'aviation, la simulation de vol et l'aéronautique. Et voilà, merci vraiment d'être là depuis le départ et ça me touche vraiment que vous soyez tous là pour me soutenir. Merci vraiment à tous. Et à présent, comme convenu, on se retrouve. Alors, je vais vous parler d'NVIDIA GeForce Experience et des fameux filtres à appliquer. Je vais utiliser NVIDIA, raison pour laquelle j'enregistre actuellement avec un logiciel gratuit qui s'appelle Bandicam, raison pour laquelle la version gratuite comprend une vidéo enregistrée de 10 minutes maximum, donc la vidéo ne va pas durer plus de 10 minutes. C'est pour ça que je vais faire assez rapide. Et comme je vous le disais, NVIDIA, le but, ça va être de changer votre expérience visuelle, de manière générale, sur le simu. Donc pour vous assurer que c'est faisable de votre côté, dans un premier temps, ouvrir NVIDIA GeForce Experience, vérifier que vous avez bien la dernière version des pilotes à jour, ici avec la coche blanche. Ensuite, les paramètres avec la roue à droite, en haut à droite, la roue blanche. Bien vérifier que vous avez activé les fonctionnalités expérimentales et la superposition en jeu, ici, qui est bien cochée. Une fois que ceci est fait, eh bien c'est parfait. Vous avez juste ensuite à lancer votre simu. Comme ça, NVIDIA GeForce Experience détecte votre simu et vous pourrez lancer le programme de filtre. Donc appuyez sur la touche Alt, maintenez la touche Alt gauche de votre clavier, à gauche de la barre d'espace, puis Z de Zulu. Le filtre de jeu à gauche, c'est ce qui nous intéresse. Parfait. Vous avez l'encadré à gauche de votre écran qui apparaît. Et dans un premier temps, vous êtes sur la case désactivée ici, ce qui veut dire que vous n'avez pas de filtre activé. Ce qu'il faut faire, eh bien, le but de la vidéo, en tout cas, c'est d'appliquer des filtres pour changer votre rendu visuel. Alors, sur la case numéro 1, vous voyez que déjà, moi j'avais déjà appliqué un filtre qui s'appelle détail, tout simplement. Et en fait, rien qu'à vue d'œil, si je compare avec les deux, regardez bien le cockpit ici et la façon dont c'est modélisé. Voilà, on sent que c'est plus prononcé, c'est détaillé comme son nom l'indique. Puis ça permet d'avoir plus de détails visuellement parlant. Donc, je pars du principe que je n'ai aucun filtre. Voilà. On part du début. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Vous avez trois choix possibles. Ça veut dire que les trois filtres peuvent être cumulés indépendamment les uns des autres. Ce ne sont pas des filtres qui se mélangent entre eux, c'est vraiment trois choix possibles. Vous avez l'embarras du choix et vous pouvez naviguer entre chacun, ce qui donne quand même une certaine liberté et puis d'avoir le choix. Alors, ajouter un filtre, par exemple, la première case ici, dans détail. Et bien, vous voyez qu'en fonction des réglages qui sont attribués, pour affiner, vous pouvez régler en fait les curseurs, la clarté. Vous voyez que par exemple c'est moins précis et moins clair, comme son nom l'indique. Plus je vais aller vers les 100%, plus ça va être clair. Mais attention quand même à ce que ce soit des bons réglages qui ne soient pas néfastes pour vous, qui vous permettent quand même d'avoir toujours une bonne expérience sur le simu et d'avoir l'équilibre correspondant à vos besoins. Là, vous voyez l'HDR, c'est quelque chose que j'utilise en général, mais sans trop pousser, parce que ça peut être assez néfaste. Et toujours vérifier qu'en fonction des réglages que vous attribuez ici, ce n'est pas un effet négatif sur vos écrans. Parce que plus les réglages vont être poussés, plus ça peut impacter en fait vos écrans. Si je me mets en vue passager, vous voyez qu'ici, je vais pousser la clarté à fond, ça change carrément la donne au niveau du tarmac. Si vous vous en rendez bien compte, j'ai poussé vraiment au maximum et vous voyez que si je diminue la clarté,
Ça va être moins précis, moins poussé, moins modélisé que si la clarté était à fond. Logique, plus de clarté, plus de précision et plus facilement visible à l'œil nu, en tout cas pour les modifications. Vous voyez qu'on a bien les traces au sol, le bitume, etc., les impacts, voilà. Ensuite, vous avez pris un premier filtre. Donc on le rebascule en cachet. Filtre numéro 2. Bien, par exemple, appliquons spécial. Là, vous voyez, c'est carrément autre chose. Ça va être, voilà, il y a rétro, esquisse, demi-ton, sépia. Par exemple, le rétro, et ça peut être pas mal, genre film, tournage de film ou vidéo représentant plusieurs phases d'un vol avec des phases importantes, avec zoom, voilà, façon rétro. Où là, on peut se concentrer sur une phase du vol en particulier. Bon, voilà, c'est pour plusieurs scénarios. Et vous voyez comme quoi on peut vraiment tout faire. Mais là, ça se prête quand même moins au simu. Donc, si je veux prendre par exemple exposition et contraste, les tons foncés, si je veux diminuer, et voilà, vous voyez que les tons foncés de la piste vont se rendre plus clairs. Et inversement, si je veux toucher au ton clair, ben là, c'est le ciel, vous voyez, qui va être plus moins brillant, qui va être plus visible. Donc, vous voyez, vraiment une multitude de choix pour pouvoir régler visuellement le simulateur. Moi, je trouve que pour ma part, celui-ci, le détail, les détails, ce filtre-là, il est vraiment sympa parce que je trouve qu'on voit mieux les détails, du coup, et puis c'est mieux représenté. Sans pour autant être trop agressif, en tout cas je trouve. Après, il faut voir sur la durée. Et vous pouvez après appliquer un choix numéro 3. Ce que je vais faire, je vais rester sur ce filtre-là. Donc là, vous pouvez aussi en appliquer un. Hein. Par exemple, affiner plus. Détail de la texture. Là, vous voyez, à fond, on voit bien le changement ici au niveau de la police d'écriture hein, sur le bout de l'aile. Et si je reviens ici, c'est pas que c'est flou, mais presque, c'est pas hyper détaillé. Et là, la texture à fond rend beaucoup mieux et je trouve qu'on a bien les détails, même avec les traces du hublot, etc. ici. Vous voyez, c'est beaucoup plus parlant, c'est beaucoup plus représentatif, c'est vraiment pas mal, je trouve. Après, c'est vraiment une question de jauge pour chacun et que chacun y trouve son compte. Donc en fait, vous voyez, premier filtre détail, deuxième filtre exposition contraste, le troisième affiné plus. Et tout ça en fait permet d'avoir plusieurs choix et en fonction de vos souhaits, des phases du vol, si vous voulez le jour ou la nuit, si vous voulez à telle ou telle heure, sur tel ou tel avion, ça peut dépendre aussi. Et bien, ça peut être pas mal, ça peut être vraiment pas mal. Donc ce que je vais faire, il me reste quelques instants, je vais rester sur le fil détail et faire un décollage. À Miami, c'est parti. Ça, vous allez voir ce que ça donne avec ce filtre-là au moment où je décolle. Et puis je terminerai la vidéo sur ce décollage. Voilà, super. Fait comme si. Bon là, les FPS à Miami, hein, c'est normal, sont assez impactés, je dois dire, avec les réglages à fond en ultra. Et je vais passer sur l'aile. Là, vous voyez, c'est vraiment pas mal, je trouve, au niveau des détails, le sol, le terrain, l'aile, enfin voilà, tout quoi. Je trouve que c'est vraiment sympa et il faut vraiment trouver son équilibre. Et les nuages en face. Après, c'est pas évident de trouver la différence comme ça au premier coup d'œil parce qu'on a l'habitude du mode par défaut, en tout cas sans filtre. Mais ça permet de se rendre compte de. Eh bien, ces filtres peuvent être intéressants, même au niveau de la modélisation des écrans. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Je serais ravi de pouvoir échanger avec vous à ce sujet. Et puis, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos, d'autres tutos sur Flight Simulator 2020. Portez-vous bien, pardon. À très bientôt tout le monde et prenez soin de vous. Ciao!